venganza tome forma. Sabrás de qué estoy hecho y llorarás una vez que mi venganza tome forma. Te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí. Sufre, llora como yo lloré y llora, 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 llora. Je crois que je vous l'ai dit, je ne dois rien à la loi ni à personne d'autre. Eh bien, je te conseille de quitter Ishamal. C'est un village calme. Ici, nous n'acceptons pas les meurtriers. Ni les anciens détenus. Eh bien, je fais ce que je veux. Allez dire à Toscano que je compte rester. T'es sûr que le colis venait de Willyberto Fregoso? Oui, je te dis que oui. Ça vient de Peña Azul et ça doit être les bonbons dont ma mère raffole autant. Ça se trouve, il veut se remettre avec ta mère. C'est possible. Mais je ne sais pas si je dois lui dire, elle s'entend beaucoup mieux avec mon père. Je fais quoi? Je pense qu'on ferait mieux d'attendre. Attends, avec un peu de chance, ta mère pourrait se remettre avec ton père. Tu crois? Ouais. Tu sais quoi? Je vais voir si ma mère veut ressortir avec Willyberto. Non, et si elle dit oui? Tant pis. Pour moi, le bonheur de ma mère passe avant tout. Si elle préfère être avec Willyberto plutôt qu'avec mon père, je vais l'accepter. Pierrot, mais ce n'est pas ce que tu veux. Bonjour. Vous savez par hasard si le télégramme est arrivé? Personne n'envoie de télégramme, Candela. Ce serait très bizarre si quelqu'un faisait ça. Non, ce qui serait bizarre, c'est que quelqu'un puisse écrire à Candela. Merci beaucoup de m'avoir aidé à faire mes courses. Non, mais t'as dépassé les bornes. T'as vidé la boutique de Gabino. Il va devoir tout réapprovisionner. C'est le moins que je puisse faire pour remercier les Gaillardos de m'avoir accueilli. Ouais. Je suis de retour. Bonjour, monsieur. Je vous laisse. J'ai trouvé ça bizarre quand vous avez annoncé que vous étiez ensemble le jour où Raphaël est revenu. Mais je vois que c'est sérieux. Non, 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 pas du tout. On est juste amis. Angela, peut-être que je fourre mon nez là où il ne faut pas, mais je trouve ça très étrange que tu sortes avec lui alors que tu sais qu'il a une relation avec Isabella. Je comprends ta réaction, mais comme je l'ai dit, Rigoberto est juste mon ami. J'espère que tu sais ce que tu fais. Très bien, je vais aller déposer tout ça dans la cuisine. Okay. Merci. Où est-ce que tu vas, ma belle? Pourquoi t'es toute seule? Aïe, 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 aïe. Comme dit mon grand-père, rien ne sèche plus vite qu'une larme de femme. Ne te moque pas de moi. Tu crois que c'est facile d'oublier ce que tu m'as fait? Regarde, tu m'as maltraité. J'ai peut-être un peu exagéré, mais crois-moi, je n'avais pas l'intention de te faire du mal, Julia. Viens, oublions ce qui s'est passé. Non! Viens ici, ne me résiste pas. Tu sais que je n'aime pas les femmes qui jouent les difficiles et qui pleurnichent. Ce n'était peut-être rien pour toi. Mais pour moi, c'était la pire humiliation que j'ai jamais subie. Tu m'as fait sentir comme si j'étais une... Tu crois que j'ai oublié? Si tu penses que je suis un monstre pour ce que je t'ai fait, je pense qu'on devrait mettre fin à notre relation. Mais je vais te dire une chose, Julia. Si jamais tu le regrettes, il n'y aura pas de retour en arrière, tu entends? Tu réagis comme ça parce que tu sais que je ne peux pas vivre sans toi, pas vrai? Et qui va te protéger, hein? Tu crois
peux passer du temps ici à l'hacienda, nous nous amuserions comme avant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parle-en avec Laetitia. Oui, je vais lui dire. Dis-lui que c'était ton idée. Il n'y a pas de souci, chérie. Antonio m'a dit qu'il y a quelques années, ce César Franco a essayé de tuer Octavio. Bien sûr que c'est terrible. Non, il ne peut pas être réincarcéré, il a déjà purgé sa peine. Mais nous n'allons pas laisser notre magnifique village d'Ishamal devenir un repère de criminels, pas vrai? C'est pour ça que je te conseille vivement d'en parler à tes connaissances, afin qu'elles ne lui donnent pas de travail. À bientôt. Alors, à qui est-ce que tu veux mettre des bâtons dans les roues, maman? Ne dis pas de bêtises, David. Je ferai pas de commentaires, mais j'ai besoin de te parler. Ah! Attends, mon chéri. Oui? Oh, je suis si heureuse que tu m'aies appelée. Je dois te dire quelque chose de très important. Ah, tu as entendu mon message. Merci, Gabi. Bonjour, Gabino. Bonjour, Candela. Qu'est-ce qui vous a fait venir jusqu'ici? Oh, je suis venue voir l'orthopédiste pour un contrôle. Ça fait très mal, vous savez, surtout ici. Regardez, ici. Oh, bon sang. Sans cette attelle au genou, vous auriez pu faire beaucoup de choses. Eh bien, pas vraiment. Si cela ne tenait qu'à moi, je resterais au lit toute la journée. Mais seule, comme je suis maintenant. Seule? Ça n'est pas très amusant, pas vrai? Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je veux voir s'il y a du courrier ou un colis pour Louis. Pas pour Louis, mais il y a un colis pour Myriam. Ça vient de Peña Azul, vous pouvez le lui donner? Oui, bien sûr, je me ferai un plaisir de lui apporter. Nous avons laissé le camion au bon bonjour. Endroit. Ah, bonjour. 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 Merci d'être venu. Ouais. Il n'y a pas Fernanda Linares? On ne l'a pas vue. Si elle voulait venir, elle serait déjà là. Oui, je sais. Dans ce cas, nous pouvons commencer. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rafael Toscano. Avec German, je vais me charger des négociations entre vous et l'usine de conditionnement de ma famille. Je vois que tu as commencé la réunion sans moi. Ah, je pensais que tu n'étais pas intéressé pour te joindre à nous. Ah bon? Bien sûr que si. Je veux être là pour voir si tu abuses de mes amis. Et surtout, si celui qui négocie est un menteur comme toi... Tu n'as pas besoin d'être agressive. Non. Je suis plutôt sur la défensive, parce qu'aucun des Toscano n'est fiable. Ma famille travaille dur. Mon père s'est battu pour le bien-être et le progrès de ce village. À quel prix, Raphaël? En marchant sur les autres pour arriver à ses fins? Ne parle pas comme ça de ma famille. Et surtout, sans preuve. La preuve est que ton père ne voulait pas leur payer tout ce qu'il leur avait promis pour la viande. Voici la preuve. Les choses ne se sont pas passées comme ça. C'est moi qui ai promis quelque chose qu'Octavio n'a pas approuvé. C'est vrai? Quelle coïncidence, non? Quand vous avez vu qu'on n'allait pas vraiment vendre à l'usine de conditionnement, alors là, vous avez pu payer. J'ai payé de mon propre argent pour tenir ma parole. Peut-être que mes collègues vous ont cru, mais pas moi. Et si c'était vraiment le cas, alors je suis contente qu'il y ait au moins quelqu'un qui ait un peu honte et qui tient sa parole. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça, Fernanda? Ça me semble juste de défendre ces gens. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas être ensemble. J'espère que tu comprends. Il ne devrait rien y avoir de personnel dans les affaires. Mais si tu veux que les choses soient ainsi, eh bien, ça ne sert à rien de trouver un accord. Eh bien, ils veulent se servir de nous pour régler leurs histoires personnelles. Et si vous pensez pouvoir imposer vos idées comme bon vous semble, vous avez tort. Nous sommes prêts à vous aider, hein? Mais pour cela, vous devez nous faire confiance. Si vous changez d'avis, vous savez où nous trouver, n'est-ce pas? Excusez-moi. Excusez-moi.
Vous ne croyez pas qu'on aurait dû écouter leurs propositions? Non. Écoutez-moi bien. La pire chose qu'on puisse faire, c'est de céder du premier coup, parce que c'est ce qu'ils veulent. Nous devons résister. Il te plaît le lance-pierre? Je te le donnerai à un très bon prix. Alors vas-y, va chercher ton père. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris en compte nos conseils? J'ai aussi été très clair. Vous pouvez me faire sortir de cette ville en me tuant. Calme-toi. Personne ne va t'attaquer. Il est interdit de vendre dans la rue. J'essaie juste de gagner ma vie. À cause de vous, il n'y a personne qui veut me donner du travail. Ramasse tes affaires. Tu ne peux pas faire ça ici. Ok. Très bien, monsieur. Avec plaisir. Dans ce cas, tous ceux qui vendent ici doivent également partir. Je suis passée au magasin de Gabineau et j'ai un colis pour Myriam. Je lui donnerai bien, mais comme elle n'est pas très sympa avec moi... Oh, comme c'est gentil de ta part de rester à l'écart d'elle, vraiment. Donne-le-lui. Elle va être heureuse quand elle verra qu'elle a reçu le courrier d'un certain Willyberto Fregoso. C'est qui ce Willyberto Fregoso? Je sais pas, je le connais pas. Mais j'ai entendu Pierrot parler de lui pendant des heures. Il a dit qu'il le voyait comme un deuxième père. C'est vrai? Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Je crois que c'était le petit ami de Myriam quand elle était à Palma Blanca. Apparemment, il avait beaucoup d'argent et il emmenait ton ex-femme faire le tour du monde. Si tu inventes tout ça pour m'embêter... Eh bien, tu as gagné. Ça ne me fait pas du tout rire. Ça ne vient pas de moi. Tu n'as qu'à demander à ton fils si tu me crois pas. Pierrot! Pierrot! Si tu ne pars pas de toi-même, alors on ne pourra pas empêcher les gens de te sauter dessus. C'est ce que vous voulez, non? Tu ne comptes pas le faire partir, Moreno? Ou alors tu es d'accord pour que cette ville soit remplie de criminels comme lui? Mais il n'a rien fait de mal! Qui a demandé votre avis, jeune fille? Et qui a demandé le vôtre? Est-ce que vous allez laisser ce criminel s'approcher de vos filles? Non, de chez vous? Non. Calmez-vous, calmez-vous! Cet homme va s'en aller. C'est vrai? Et quand est-ce que j'ai dit ça? Tous ceux qui vendent sur la place possèdent une autorisation. Si tu veux le faire ici, fais une demande à la mairie. Je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Ils vont probablement refuser. Eh ben dans ce cas-là, pars! Si tu ne veux pas que les choses se compliquent. Tu vois bien que personne ne t'aime ici, et personne ne va te donner du travail. Je ne te quitterai pas, village. Et dites-le à Octavio Toscano, si jamais il veut m'affronter. Et comment tu vas vivre? Tu vas faire la manche ou voler? Non, jamais. J'ai acheté ce bois avec ce que j'ai. Et je vivrai honnêtement. Monsieur? Vous vous y connaissez en bétail? Bien sûr. Pourquoi? Alors, je propose à cet homme de travailler avec moi. C'est un voleur! Vous êtes embauché. Mais cette femme est devenue folle! Vous n'avez pas lu le message que j'ai envoyé à Tui Chamal? Ce type était en prison! Alors, c'est vous qui avez monté toute la ville contre lui? Bien sûr que oui! Et toi, tu nous donnes du fil à retordre, Fernanda. Fernanda? C'est elle, Fernanda? C'est la femme qui s'est interposée entre Isabella et Raphaël. Pauvre Isabella. Tu ferais mieux d'arrêter. Tu t'attires des ennuis. Est-ce mal de donner un travail à un homme alors que vous lui refusez tout ça? Si vous acceptez le poste, vous êtes le bienvenu au ranch le nouveau jour. Il fallait vraiment que ce soit Candela qui aille au magasin de Gabineau. Mais on s'en fiche si c'est elle qui a apporté le colis. Qui est ce Willyberto Fregoso? J'ai dit à Gabineau de le garder pour moi parce que je ne voulais pas le prendre, mais il a fallu que ce soit Candela. Non, mais oublie ça. Qui est ce Willyberto Fregadate? Fregoso, papa. Son nom de famille est Fregoso. C'est l'ex-petite amie de maman. C'est vrai? Et est-ce que la relation était sérieuse avec ce Willyberto? Eh bien, pour autant que je sache, oui, mais ça n'a pas d'importance parce qu'il a disparu et maman est passée à autre chose. Pourquoi? Il a fait quelque chose à ta mère? Dis-moi! Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je ne devrais pas te parler de la vie privée de maman. C'est bon, c'est bon. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas tes affaires. C'est entre ta mère et moi.
Eh bien non, à ta place, je n'irai pas la voir pour lui poser des questions sur sa vie privée à Palma Blanca. Quoi ? Pardon ? Bien sûr que je vais aller lui demander. Nous sommes divorcés, mais nous sommes toujours mari et femme aux yeux de Dieu, ok ? Papa, tu es athée. Et alors ? Que tu le veuilles ou pas, je m'en fiche. Myriam est ma femme. Ça devient intéressant maintenant. Avec la jalousie du patron, Myriam va se rendre compte qu'il l'aime réellement. Ou alors elle va l'envoyer balader loin, mais vraiment loin. Gardez espoir, patron, hein ? Ton père est très étonné de me voir avec Rigoberto. Eh bien, oui, c'est normal. Mais tu peux pas faire marche arrière, Angie. Tiens encore un peu, jusqu'à ce que j'épouse Raphaël. Tu sais même pas si ça va se faire. Bien sûr que si. Raphaël a déjà fait le premier pas. Oui, on a passé la nuit dernière ensemble, et même s'il n'est pas complètement guéri, il a été très performant. Vraiment ? Oui. Tu verras, un de ces jours, il me redemandera en mariage. Alors s'il te plaît, Angie, attends encore un peu, hein ? Candela ! T'as vu Myriam ? Non, elle est en congé. Elle est peut-être allée se promener en ville. Elle est allée demander si le colis de Williberto était arrivé. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Je doute que Myriam soit intéressée d'entendre parler de ce Willy Willy Tonto Frigadates. Si ce qu'on dit sur lui est vrai, alors si, je crois que ça l'intéresse. Bien sûr que non. Pierrot m'a dit qu'ils ont mis fin à leur relation et qu'elle n'a jamais voulu dire pourquoi. Je dois donc lui demander ce qui s'est passé. S'il a fait quelque chose à ma femme, il va le payer. C'est peut-être Myriam qui l'a trahi. Ah, tu te trompes. Si Myriam l'avait blessé, il ne la contacterait pas. Qui sait ? Peut-être que c'est le genre de personne qui pardonne tout et qui supporte toute humiliation par amour. Si tu parles pour toi, je doute fortement que tu m'aimes. Tu es ici parce que ça t'arrange. Crois-le ou non, c'est pas seulement ma jambe qui me retient dans cette maison. Si tu fais le calcul, j'ai toujours été à tes côtés alors que Myriam, non. Je vais continuer à la chercher. Si tu la vois, dis-lui qu'elle... Non, 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 ne lui dis rien. Il n'y avait pas besoin de me défendre. Je déteste l'injustice. Juste pour clarifier les choses. La femme du maire ne mentait pas. J'étais en prison pour tentative de meurtre. Oui, contre Octavio Toscano. Vous n'avez pas peur de donner une opportunité à un meurtrier ? Vous n'avez tué personne. On verra si j'ai bien fait de vous aider ou pas. On y va. Fernanda insiste pour se mettre en travers de mon chemin. Elle deviendra sûrement beaucoup plus dangereuse si elle reste avec ce type. Je verrai comment profiter de cette situation. En attendant, il faut les surveiller de près. Vous êtes sûr que ce hamac est suffisant ? En prison, j'ai appris à vivre avec le minimum. Et je ne pense pas que Gabriel aimerait partager sa chambre avec un ancien détenu. Posez au moins vos affaires dans la maison. Ensuite, on verra ce que vous pouvez faire pour nous aider, parce qu'il y a beaucoup de travail ici. À plus tard. Merci beaucoup. Salut, Beto. On peut parler ? Dis-moi. Tu peux t'arrêter le temps que je te parle ? Tu peux peut-être tout laisser tomber quand tu le veux, mais pas moi. Je te rappelle que je suis l'employé de Rafa. Quoi ? T'es tellement désolé que c'est pour ça que tu me parles plus ? T'as plus envie de me voir ? T'es occupé à prendre soin de Raphaël, non ? Ah, ça fait partie de mon plan. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus se voir en cachette comme avant. Pour être honnête... Je me sens pas à l'aise d'être avec toi alors que Rafa est blessé. Beto, n'exagère pas, il peut marcher avec des béquilles. En plus, ma mère n'est pas là pour t'ennuyer, alors. C'est quoi ton problème ? Non, écoute. Je pense que nous ferions mieux d'attendre. Je suis pas censé sortir avec Angela ? Rafa va trouver bizarre de ne pas me voir avec elle. Tu trouves pas que tu prends un peu trop au sérieux cette histoire avec Angela ? Comme tu dis... Ça fait aussi partie du plan. Et honnêtement, Angela est plutôt sympa.
Tu sais quoi? Il vaut mieux arrêter ça et profiter au maximum de notre temps. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Je t'ai dit que je suis très occupé. Descends. Aïe! Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es sérieux? Je suis occupé. Et je te ramènerai bien, mais le van n'est pas propre. Alors je ne voudrais pas que tu te salisses. Le van? T'es sérieux? Rigoberto! Hé! Hey, Rigoberto, ouvre la fenêtre! Hé! Hey, Rigoberto! Hé! Hey, Rigoberto! T'es sérieux? Rigoberto, descends! Arrête la voiture! Comment t'as pu embaucher ce fou? Tu veux qu'il fasse exploser la maison ou quoi? Oh, Juana, s'il te plaît, n'exagère pas. Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner un travail, parce que tout le monde lui a tourné le dos. Je commence à penser que tu as une obsession pour t'attirer des ennuis, Fernanda. Oh, bon sang! Et si cet homme avait des ennemis à Ishamal, qu'est-ce que tu ferais, hein? Des ennemis à Ishamal. L'ennemi principal de tout le village est Octavio Toscano. Et si César est l'ennemi de ce misérable, alors tu sais quoi? C'est mon ami. Oh, regarde-toi. Eh bien, regarde ce qu'a fait ton ami César. Une fois de plus, toute la haine a été attisée en toi et tu deviens complètement taré, Fernanda. Non. Je n'ai jamais cessé d'haïr Octavio parce qu'il a assassiné mon mari et aussi parce qu'à cause de lui, mon père est mort de chagrin et pas à cause de la maladie. J'ai enfin pensé que je pouvais être heureuse avec Raphaël. Il a fallu que cet homme se mette en travers de mon chemin. Si tu t'expliques avec Raphaël, tu pourrais avoir une chance de refaire ta vie. De recommencer ensemble, mais loin d'ici et sans haine. Juana, réfléchis un peu. Tu crois que je peux être heureuse avec le fils de l'homme qui m'a violée ? Thank you.